se retrouve pour le petit tirage énergétique floral pour cette dernière semaine du mois de janvier, donc du 25 au 31 janvier. Alors, quel petit message Fleur de Bac va nous accompagner cette semaine, va nous guider sur notre chemin de guérison et de libération. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, la semaine dernière. Alors, cette semaine, il est question de quoi, Fleur de Bac? Bon, je ne vais pas... Aucune fleur ne veut sortir du jeu, donc bien, je vais en piocher une. Voilà, je vais choisir celle-ci, qui est le châtaignier. Ouh, ah, le châtaignier, bonjour châtaignier. Waouh, alors là, ça envoie du lourd. On l'appelle la fleur de la libération et la fleur de la transformation. Sentiment d'avoir atteint les limites de l'endurance et d'être dans une situation désespérée. Sentiment de se retrouver découverte de la foi pour le potentiel positif. À travers les ténèbres, vers la lumière. Alors, moi, cette fleur, je l'utilise souvent lorsqu'on est en état de burn-out ou de grosse dépression. C'est en fait lorsque, donc peut-être que cette semaine, on va se retrouver avec ce sentiment d'être seul, d'être dans une tristesse intense, d'être dans le désespoir, un petit peu comme si on était un oisillon qui était tombé du nid. Voilà, on se retrouve abandonné, on est dans un état où on a tout donné, on est à bout de force, au bout du rouleau, et on n'a plus de solution en fait, on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas quoi faire. Alors on est vraiment voilà, dans un état de grosse déprime, hein. C'est pas juste une petite déprime passagère. Toutefois, on n'est pas non plus, on a envie de s'en sortir en fait, hein. On a vraiment envie d'aller mieux, mais on n'a pas d'issue, on ne voit pas comment faire pour aller mieux. Et en fait, et tout ça, voilà, ça va nous procurer de grosses angoisses mentales. On va même peut-être se sentir dans un état de prostration mentale, parce que voilà, on ne voit pas la lumière, on ne voit que l'ombre. Et donc le châtaignier, il va mettre de la lumière sur tout ça et en fait, ce qu'il va surtout nous inviter à faire, c'est de partir en introspection, de partir à la découverte de soi. Donc c'est peut-être le moment de, pourquoi pas, faire un bilan de compétences ou voilà, un travail de développement personnel introspectif ou pourquoi pas me commander un thème floral numérologie de Bac pour avoir une meilleure connaissance de soi. Et un petit peu découvrir les obstacles que l'on vit dans notre incarnation et comment faire pour mieux les traverser, pour mieux vivre avec tous ces états émotionnels et ces épreuves. Et en fait, l'idée en fait, c'est qu'il va être question d'une grande transformation intérieure, psychique. Et il va falloir que l'on, pour pouvoir accéder à ce nouveau, parce que là voilà c'est ça qui va se passer, c'est que ça nous demande de lâcher prise, de lâcher des choses de notre vie qui aujourd'hui ne nous conviennent plus ou qui nuisent ou qui nous freinent dans notre évolution. Donc voilà, abandonner une partie de notre ancien soi, pour pouvoir accéder à cette transformation, à cette nouveauté et renaître de ses cendres. En fait, c'est ça, les effets positifs du châtaignier, c'est que ça va nous aider à, voilà, à nous déployer et vraiment voilà, à nous ouvrir à la vie et à la lumière. Et à la foi, voilà, dans ces états-là, lorsqu'on est vraiment dans cet état de dépression, enfin de tristesse intense, c'est surtout garder la foi et de se dire, bon, ok, pour l'instant, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne sais pas comment je vais faire voilà, pour surmonter ce qui m'arrive, mais voilà, je garde la foi, je reste connectée, et parce que ce qui va arriver demain, ce sera pour du meilleur. Mais pour ça, voilà, très important, il faut
faire ce lâcher prise. Voilà, il faut vraiment quitter, abandonner ce qui vraiment nous convient plus. Alors, c'est peut-être vie professionnelle ou quelque chose de notre quotidien, quelque chose en tout cas qui vraiment nous amène à cet état d'être au bout du rouleau, quoi. Voilà les amis, bien écoutez, bon courage parce que alors c'est très intéressant, c'est très inspirant parce que moi j'adore tout ce qui est transformation parce que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit et qu'on conscientise et qu'on incarne la personne qu'on va devenir. Donc mais voilà, ça demande aussi de voilà de s'accrocher, n'ayez pas peur, tout ça c'est pour quelque chose de mieux pour la suite. Donc voilà, ben, je vous embrasse et je vous dis donc à mardi prochain pour le tirage énergétique floral de février. Bonne journée, merci.